c'était 4 jeans hommes et 4 jeans femmes et 3 jeans hommes à peu près, 7 jeans. Et on a commencé à faire ça, à tourner et à vendre. On ouvre un shop à Montréal d'ici un mois et demi. On a un à Dubaï, on a beaucoup dans les dom-tom, beaucoup dans Guadeloupe, Martinique, La Réunion, on a beaucoup. On a une soixantaine en France en propre et on a une trentaine en affiliation franchise. Je pense qu'on finira l'année avec un parc de plus de 100 boutiques sur la France et une vingtaine à l'étranger. Déjà, je suis un vrai Marseillais, donc je ne peux pas faire mieux que ça. Numéro 2, les gens qui m'entourent sont à la base tous des Marseillais. On a tous commencé pour la plupart ensemble dans les années 86, parce qu'à Marseille, berceau du jeans, il y avait une grosse communauté arménienne, libanaise, avec qui on faisait de la façon à Marseille. Quand la façon était partie trop chère, on est parti un petit peu au Maroc. Et donc ces gens-là sont entrés dans ma société, m'ont apporté leur savoir-faire. Ils sont toujours tous avec moi aujourd'hui. Et donc, on travaille ensemble depuis 86 avec une grande équipe. Et donc, on est tous des Marseillais. Partir aujourd'hui, c'est difficile, même si c'est tendu au niveau fiscal, tout ça. Mais bon, on y est, on y reste. Et on va pousser, on va progresser. Déjà, c'est un minimum ce qu'on a employé, parce que je pense qu'on en a employé beaucoup plus. Donc, le secret, c'est toujours à partir de la créativité. Je pense que la force de Caporal, c'est la créativité, c'est la mode, je dirais, à la Marseillaise. On est pratiquement la plus grande entreprise de France avec autant de designers à plein temps à domicile. On n'a pas de freelance. On a à peu près 17 personnes qui sont à plein temps chez nous, qui bossent matin, midi et soir sur le style de l'homme, de la femme, de l'enfant, et qui bossent. Et on va en recruter encore. Tant qu'on soit créatif, tant qu'on portera de la nouveauté, les gens viendront du monde entier nous acheter. Dès qu'on perdra ce petit côté un petit peu fun, je pense qu'on passera. Donc il faut s'accrocher, embaucher pour la créativité. Parfait, merci beaucoup. Voilà. Génial. Merci.